Ouais, salut tout le monde, c'est Coco. C'est bien moi, la preuve, avec ce lancer de C4 pour pas changer, hein, après 5 ans, c'est toujours pareil, après 5-6 ans. Du C4 sur du Nuketown, du Call of Duty, de la nucléaire. Que demander de plus? Par contre, je vais accélérer parce que c'est ce qui se passe après qui est très intéressant. Voilà, j'ai fait un seul kill. Désolé si ce que je vais dire va être un peu décousu, hein. J'ai perdu l'habitude et puis je fais cette vidéo rapidement pour vous annoncer surtout que bah maintenant que j'ai la fibre optique et que potentiellement j'aurai le temps de jouer un peu plus au mois de janvier en tout cas. Donc je vais revenir un petit peu, je vais jouer. Pourquoi pas faire des vidéos en live, enfin en live, en streaming sur Twitch. C'est quand même vachement plus intéressant que sur YouTube parce que YouTube c'est un peu. Ça peut être très malhonnête et puis c'est moins drôle je trouve. Tu sais au moins sur Twitch tu mens pas, t'es en live, s'il y a rien de. Tu peux t'amuser. Je trouve ça super bien comme concept. Et voilà, donc je vais peut-être essayer hein, avec la fibre optique. Et puis s'il y a toujours des gens qui sont intéressés par ce que je peux proposer. En sachant que bah forcément il y a du Call of Duty. Hein. Cold War, pourquoi pas? Pour le moment il a l'air de me plaire. Même si je joue uniquement sur Nuketown. Hein. Moi je veux dire. Les autres cartes ça m'a suffi. Il y a du Warzone aussi que je peux proposer, mais bon, je suis pas trop fan, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Et surtout, c'est ce qui a remplacé ce que je faisais ces dernières années quand je jouais. Hein. Déjà, je jouais moins, mais quand je jouais beaucoup à Rocket League. Alors, en toute humilité, hein, je suis très très loin d'être un professionnel, hein, mais je fais quand même partie des top mondiaux, on va dire. Moi, je suis juste grand champion, rien de ouf, mais c'est toujours sympathique. Donc voilà, j'y joue beaucoup, pourquoi pas jouer. Je vois ce jeu en live. Donc voilà, je fais juste cette vidéo. J'ai bien conscience que sur YouTube, j'ai perdu beaucoup de visibilité. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de gens. Mais au moins, manifestez-vous, s'il vous plaît, sur, bah, ne serait-ce que sur les commentaires. Juste pour dire si la vidéo est bien apparue dans votre fil d'actualité. Puis après, si vous regardez pas, juste désabonnez-vous tranquille. Hein. Vous n'avez pas besoin de suivre sur Twitch, y a pas de problème, les gars. Les gars ou les filles d'ailleurs. Et voilà, je mettrai en bas de la vidéo le lien de ma chaîne Twitch. Putain, par contre là je suis bloqué, ah ouais, je suis encerclé de partout, je vois sur la vidéo. Ouais, donc je mettrai le lien de la chaîne Twitch. Et puis pourquoi pas passer des bons moments, je pense que ça peut être lourd en vrai. On va tester, on va voir comment ça se passe. Bon, moi je vous laisse là, je crois que je suis sur une série de fins. La fin elle est encore plus lourde que le début de partie. Je crois que je fais genre 10 kills très rapidement, c'est n'importe quoi. J'ai tapé une série de 40 dégâts, je spoil. Vous m'en voudrez pas, là je suis à 24. Puis voilà, donc ouais, je vais jouer un peu plus tranquille qu'avant. Je suis plus tryhard, plus tryharder comme avant. Bon, je l'ai jamais vraiment été, mais bon. On va bien voir comment ça va se passer, hein. Allez, sur ce. Et puis oui, aussi, ben, petite vidéo pour démarrer 2021. Donc voilà, meilleurs vœux. Faites attention à vous, surtout avec le Covid. Je sais bien que les gens ils respectent rien, mais bon, faites pas comme eux. Allez, sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. À plus. Tous ces enfoirés.